Bonjour à tous et bienvenue sur Le Parcours. Aujourd'hui, on va parler d'une situation assez fréquente, mais pourtant délicate. Comment sortir d'un gros ref? Alors, il faut savoir que là, la balle, elle est enfoncée suffisamment profond dans l'herbe. Donc, pour pouvoir avoir un bon vol de balle et un bon contact, il va falloir que je coupe de l'herbe suffisamment bas. Pour ça, je vais utiliser un club ouvert. Pourquoi utiliser un club ouvert? Tout simplement parce que plus mon club est ouvert, plus la partie du bas, l'arête sera tranchante et me permettra facilement de couper de l'herbe. Donc je vais sacrifier un petit peu de distance pour privilégier un bon contact. D'accord? Également, il va falloir limiter la friction qui va se produire un peu avant l'impact, c'est-à-dire dans cette zone-là, puisque forcément j'ai de l'herbe entre la face de club et la balle. Donc pour diminuer cette friction-là, je vais privilégier un angle d'attaque plus descendant. Donc techniquement, voici un petit peu les conseils. Donc je vais positionner la balle dans la partie arrière de mon stance, d'accord, donc plus proche du pied droit pour le droitier, et puis des mains un peu plus en avant. Ça va me permettre en fait de proposer au sol et à la balle la tranche du club qui va me permettre de facilement couper de l'herbe et facilement sortir. Et également, encore une chose importante, c'est que lorsque vous avez cette situation pour une attaque de green, il faut savoir que l'herbe que vous avez avant va diminuer considérablement votre spin de balle. Donc la balle va avoir plutôt tendance à rouler et va beaucoup moins s'arrêter. Donc si vous avez un point de chute précis, prenez un point de chute plus court pour permettre à la balle de rouler. Ce sera beaucoup plus difficile de faire un backspin dans cette situation-là. D'accord? Également, je vais raffermir un peu plus ma prise pour éviter que ma face de club ne vienne se fermer dans le rough et d'avoir une balle qui va partir plus basse et à gauche. Donc, balle en arrière du stance, les mains un peu plus en avant, et je viens raffermir légèrement mon grip, d'accord, pour avoir un meilleur contrôle de la balle. Et bien sûr, on n'hésite pas sur la vitesse, puisqu'il va falloir sortir et que l'herbe va diminuer la vitesse de ma tête de club à l'impact. Super, donc j'ai fait une bonne distance. Je suis content de mon coup, elle est à côté du green, donc c'est bon pour aujourd'hui. Je sais comment sortir du rough.